Hey, c'est tout le monde, c'est Tenma, j'espère que vous avez la forme. Pour ma part, ça va super. On est parti aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, l'épisode numéro 3 de l'élevage des muledos. Aujourd'hui, on va aller dropper un petit muledo pourpre et un muledo indigo. Tout simplement, en gros, il y avait dans la zone, il y avait aucun muledo, donc je me suis dit, je vais prendre une map assez facile. Donc c'est pour moi, c'est la map la plus facile dans toutes les maps, sauf qu'on peut pas mettre d'idole, donc c'est dommage pour dropper des pattes de l'ifo. Et donc en gros, j'ai pris les deux maps les plus petits et j'ai simplement fait repop. Un muledo pourpre et un muledo indigo, donc on va capturer tout ça. Alors là j'ai des petits freeze à cause de ce tourbillon aussi, donc on va commencer par le indigo. Alors le muledo indigo, comment on l'apprivoise? Il est tout simplement en état apprivoisé le tour 1, 4, 7, après tous les 3 tours, donc 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, etc. Donc ils sont dans un petit groupe, c'est pour ça que j'ai fait exprès de les faire repop dans des petits groupes. Donc le temps de repop est de 45 minutes, j'ai attendu 45 minutes, donc en même temps j'ai avancé les quêtes de la Nini avec le filtre, avec l'accélérateur de propulsion. Donc je vais mettre dans la vitalité de la Nini, c'est bon, elle a l'initiative. Est-ce que le Nunu il a mis son filet de capture? Oui, c'est nickel, comme ça nous fera une muledo indigo et une muledo pourpre. Donc ça sera nickel. Donc alors, est-ce qu'on a des succès déjà? Je voulais regarder ça ensemble. Est-ce qu'on a des succès? Donc alors, monstre, non. C'est élevage, capturer des muledos. Capturer des muledos, voilà. Donc il faut capturer encore les 4 là. Et ensuite faire naître 1000 dindes, d'accord. Ensuite tu repas faire naître. Non, même pas. Voilà, 1000 accouplements de monture, donc tac. Donc c'est parti, on va commencer par l'indigo parce que le pourpre il est un petit peu plus compliqué. Le pourpre, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc je l'expliquerai après, mais voilà, je préfère vous l'expliquer après. Donc là je rentre tout le monde, c'est mode un petit peu big rush là. Hop, je pense que le pourpre ça sera un peu compliqué. Ouais, je pense que ça va être un peu... Non, franchement, non, le pourpre, non, je pense pas. Son rôle, pour qu'il soit en état apprivoisable, faut pas qu'il y ait... Faut qu'il voit personne en ligne de vue, en gros. Il faut qu'il y ait aucune ligne de vue, donc faut faire attention à ça. Donc je pense que je vais le mettre derrière le mur, là, et je vais bien le gérer. Alors là, on va essayer de bien se placer. Bon, on a un petit peu placé n'importe nawak. Donc là, on va faire attention, je pense pas qu'il va roxer de fou. J'espère qu'on va gérer de la première tentative. Comme il n'y a personne dans la zone, ça va. Donc là, je vais pas vous cacher l'heure, il est 4h45. Voilà, donc c'est pour ça qu'il y a peu personne dans la zone et que je suis tranquille. Alors là, on va commencer directement par le Lifo, car le Lifo il réinvoque ses alliés, donc ça c'est un petit peu chiant. Donc vous voyez là, il a l'état apprivoisé parce qu'on est au tour 1. Donc là, directement, ça va, il n'y a pas de chocotte. Donc là, directement, je vais le prendre, je vais le mettre ici. Et je vais tout simplement me vulner et je vais lui faire 2 éthylos pour venir juste ici. Voilà, comme ça le but ça sera de tuer tour 1 le Lifo. Donc eux par contre qui font vraiment très très mal. Regardez le panda comment il a pris très très cher. Il faut faire attention à eux. Je sais pas le... Ah ouais, ok, en fait c'est avec son glyphe. On a pris assez cher avec le glyphe. Donc là on est bloqué, donc c'est dommage. Donc on va full boost, hein. Tac. Et on va venir ici. Tac. Ensuite on va se donner un petit PM. Et on va faire des griffes joueuses. Ah oui, on frappe le panda. Je sais pas ce qu'on peut faire là. On peut choper une ligne de vue, ouais. Choper une ligne de vue ici, donc on va faire une single, tac, et on va essayer de le finir au plus vite. Alors j'espère que le Nunu il va pas mourir, c'est le perso qui doit pas mourir. J'ai des personnages qui pourront mourir mais pas le Nunu, voilà. Alors là direct on va faire double pulsar, tac et tac. Ensuite on va faire une extraction et boum, ça c'est fait avec la roublarde. Là le muledo il va jouer, il va piquer un petit peu le Nunu lui, ouais, il pique un petit peu. Ouais, est-ce qu'il enlève des PA? Non, réduit les dommages occasionnés finaux 50%. Wow, faudra faire attention à ça. Alors l'IOP allez où? L'IOP allez là. Parce qu'il faudrait libérer l'IOP tout simplement. Donc on va faire ça. On va prendre l'IOP. On va la décaler ici. Et là on va soigner un petit peu en zone. Tac. Tac. Parce que faut vraiment du soin à fond là. Avec l'IOP direct. Je sais pas si j'ai donné les PA. Non, j'ai même pas donné de PA, donc tant pis. Alors là on va puissance. On va concentration et coco, donc il va réinvoquer un mob mais ce n'est pas très grave. Alors avec le Nunu on va essayer de se barrer en râlant des PM, donc sur lui, après sur lui aussi, ce qui va, il va réinvoquer un Nialg. Il faudra faire attention à ça, donc moi je vais mettre un petit sac pour cover à mort le Nunu. Alors tac, on revient ici, donc c'est l'épisode numéro 3 les gars, donc lâchez un like si cette série vous plaît, avec un élevage en tout genre. Donc ensuite j'irai essayer de choper des ébènes et des orchidées dans la zone du bas, en les faisant pop dans des petits groupes. Alors là, qu'est-ce qu'on va faire? On n'a pas la libé, c'est dommage. On va faire un petit soin. Bon, y a que les deux qui ont besoin de soin. Hop, donc on va faire ça. Non, il n'y a même pas de portail à mettre là. Donc on va roxer avec Rairi tout simplement. On va roxer sur lui quand on n'a pas le choix.
Tac, et avec le cras, on va se booster et lâcher la petite pupu et destructrice sur le Lifo pour qu'on le finisse très rapidement. Parce que c'est le mob qui va rapidement me saouler celui-là. Donc là, il va frapper un peu la nini. Donc là, il invoque un Nialg. Le Nialg, il va mettre un petit peu cher, je pense. C'est surtout sa glyphe. Donc là, je vois qu'il met des points boucliers au Nialg, d'accord. C'est pas très cool. Donc là, est-ce qu'il va me tuer quelqu'un? Non, donc ça va. Là, faut vraiment que je commence à. Faut vraiment que je tue le Lifo là, sinon je vais commencer à prendre assez cher. Donc là, la petite glyphe qui me mettra des petits dégâts. Voilà, 44, mais 44, 44, ça commence à devenir ça. Donc tac, donc ensuite on va faire deux points enflammés. Ensuite on va sortir de sa glyphe, oups, le petit zoom. Tac, donc là le Muldo il va perdre son état. Ok, donc je me suis pris le piège, c'est pas très cool. Tac, donc là ça va, c'est pour le pourpre, faut vraiment pas que le panda il meure, mais comme c'est un seul mob, ça va. Alors là on va pousser cette dinde, tac. Donc ce Muldo tout simplement. Et on va venir ici et faire deux. Oh, on s'est repris un piège. Tac, donc c'est les pièges des Nialg, voilà, donc là on va le roxer, faut pas que le Nunu il meure, le Nunu, non c'est bon, on va voir ce qu'il fait lui, ok, la Nini qui a pris tellement cher, je pense que la Nini va y passer, elle va mourir la Nini, à moins que je peux la soigner, elle est où la Nini, elle est là-dedans, normalement on peut la soigner, yep, on la soigne, comme ça sera mieux, et au moins elle meurt pas, elle est en état insoignable, donc la Nini va mourir, je sais pas si je vais virer, mais c'est un petit peu compliqué du fait de la map, un petit peu mal faite, moi j'aime pas trop cette map là, et c'est l'une des meilleures maps quand même, de cette zone-ci, donc là on va avoir un petit peu full boost et qui pourrait bien se prendre un petit coup de cac là, le Nunu je dirais bien, un petit coup de cac pour le Nunu, tac, comme ça c'est fait, un petit 859, donc il se remet full life, la Nini qui passe sous le rouleau, c'est dommage, là on va finir le Lifo, ouais on va aller finir le Lifo avec la Yop, comme ça enlèvera déjà un petit Nialg, donc tac, on s'attire, on fait, tac, je sais même pas si je la finis, on va se... Ouais, on va se précipitation, je préfère précipiter. Là, c'est quoi? C'est un Nialg, donc on va épée diop, tac. Et ensuite, on va faire une intimidation, et ça fait déjà le petit moins 2 des familles qui fait plaisir. Tac, donc là, j'ai Lilo qui va bientôt mourir, mais ce n'est pas très grave. Alors là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer d'en corrupt 1. Tac, est-ce que je peux en corrupt 1? Lui, je préfère pas, je préfère le full rocks, lui. Tac, donc là, on va zoner des PM, on va se décaler un peu par là. Et on va faire du RAL PM comme ça, tac, et tac. Ensuite on va, qu'est-ce qu'on peut faire, on peut lâcher une boîte de Pandore sur un personnage, la Yop, non, le panda qui a pris assez cher, avec les lions on va essayer de le soigner, tac, on soigne, c'est nickel, là est-ce qu'on peut pousser, non on peut pas pousser, après je connais pas tous les sorts, là on va faire ça, je vais essayer de me faire une petite zone, ok c'est vrai il est indéplaçable, faut pas que j'oublie, thérapeute c'est quoi ça, d'accord, ensuite avec le Kra on va essayer de prendre des zones enflammées. Voilà, même si c'est pas du fou, parce qu'ils sont en état indéplaçable, mais du froc sans enflammé, c'est toujours ça. Tac. Donc je sais même pas si j'ai lâché une corruption sur lui. Non, j'ai même pas lâché de corruption. Non, j'avais même pas fait ma corruption. Je pensais que je l'avais fait, mais au final, non. Donc on va faire les doubles vulnés directement. Tac. Donc je parle pas fort, pour parce que si je parle trop fort, après ça va peut-être faire des répercussions chez mes voisins, parce que les murs, ils sont côte à côte. Tac. Donc est-ce que j'ai un personnage qui meurt? Non, donc faut, tranquille, on a géré. Alors il faut savoir qu'il faut pas être équipé de Dragodan, mais je l'avais déjà dit dans la vidéo d'avant. Donc ça fait deux roulettes PM qu'on fait, c'est dommage. Là on va le Félincion pour essayer de se régénérer un tout petit peu. Et là on va le Bluff, tac. Est-ce qu'on a un personnage qui meurt? Non, on a personne qui meurt, donc c'est nickel. Je vais voir qui je peux soigner là avec la Roublard. J'aimerais bien caler un petit coup de cac sur les Caflips. Ouais, je vous dirais que sur les Caflips ça ferait du bien quoi. Donc les Caflips il est là, donc on viendrait ici. Là j'ai un petit coup de cac pour les cas, elle a un petit crit là, voilà un petit 1000. Ensuite on va faire des boosts pour eux, tac. Ensuite on va bot, je trouve ça très intéressant. En plus ça me donne une petite zone avec la Yop, même si le Kra me gêne, mais le Kra je vais le bouger. Le Muldo qu'est-ce qu'il fait? Il finit les Lio, bon les Lio c'est pas très grave, elles me servent à rien sur ce combat là. Alors là je vais bouger le Kra et je vais prendre des zones. Hop, je vais prendre cette zone-ci, donc je vais même pas put, je vais faire ça. Et je vois que je me fais frapper, donc d'accord. Je sais pas pourquoi je me fais frapper, j'ai pas trop compris. Donc on va faire attention, parce que j'ai pas envie qu'il y ait des personnages qui meurent, j'ai pas envie. Donc alors, on va faire des lances de pièces, est-ce qu'on se prend des dégâts? Non, donc ça va, donc on va lâcher une petite massacrante. Tac, et on va relâcher une lancée de pièces, parce qu'avec le crash je vais prendre la zone. Tac, et comme ça je pourrai en finir au maximum. Alors tac, on va faire la petite flèche enflammée. Tac, boum, encore une flèche enflammée. On le finit. Et là, on va commencer à se faire le petit Muldo.
Alors, ok, donc le mieux c'est de le frapper R, d'accord. Donc le multo doré a des résistances partout et des très grosses résistances en neutre. Et après, les autres multo ils ont des faiblesses dans un élément. Donc par exemple ici c'est R, donc là on va le full rocks. Tac, faut que je finisse ce tour là, ça serait cool. Donc je vais le prendre et je vais le porter et je vais le défoncer avec Lika Flip. Tac, on va le mettre ici. Hop, donc avec Lika Flip, on va venir, on va roulette, on va trèfle, perception. Non, on va pas le défoncer de fou. Tac, avec l'Ayop, on va peut-être faire quelque chose. Qui je pourrais cac là? Le Pandos pourrait être pas mal si j'ai une ligne de vue. Tac, si ici on a une ligne de vue, ouais, voilà, tac. Comme ça au moins on est sûr de ne pas mourir. On va rebond l'Ayop. Et j'espère que lui ne va pas se barrer malgré qu'il a seulement 10 PM, donc ça va. On va voir ce qu'il va faire. Donc déjà il reste un état apprivoisé, donc ça c'est nice. Je le finirai avec le panda, donc là il m'a tué l'Eka Flip, d'accord, ce n'est pas très grave, il m'a seulement tué l'Eka Flip. Tac, donc là on va venir ici. Si on lâche une coco ça donne quoi? Non c'est bon. Boum, il n'est pas mort. Avec le Nunu on en lâche l'apprivoisement de monture. Normalement c'est bon, apprivoisement de monture. Tac, ensuite on va roxer même s'il a des résistances, donc bref ce n'est pas très grave. Tac, et on va venir reculer pour que le Croy prenne des lignes de vue avec les flèches absorbantes, donc il faut venir. Ok, donc je suis obligé de me disper. Tac, et on va venir ici et on va double abso et on a bien fait notre sort pour éviter de capturer dans le vide. Ouais, on l'a bien fait. Ah, il est plus en état apprivoisé. Je le vois plus en état apprivoisé, c'est-à-dire qu'il faut réattendre, donc j'ai bien fait d'attendre. J'ai failli le terminer, j'ai bien fait. Je sais pas trop pourquoi. Donc on va passer notre tour, hein. On va faire attention. On va lâcher des petits coups de cac. Alors là on peut lâcher un petit coup de cac encore sur le panda. Tac, c'est bon pour le remettre full life. Alors là on va attendre qu'il se remette bien, le petit muldo. Tac, donc bref, donc là on va devoir attendre le tour numéro 7. Donc ça a rien de se booster là, il reste plus rien en point de vie. Donc par contre, ah oui, j'ai lancé mon sort. Je sais pas s'il va être toujours faisable. On va regarder ça, donc c'est pas très grave. Donc là, on va le corrupt, histoire qu'il fait rien du tout. Ok, j'ai fait un petit misclick, je pensais que j'étais à la place du crabe, donc là c'est pas très grave. Tac, donc on va faire ça avec la roue. On va relâcher un petit coup d'île sur le panda, toujours. Tac, le muldo qui passe son tour. Avec la yop, on passe. Est-ce que le nunu... Non, le sort de l'état invulnérable. Le nunu, il a toujours son sort, on va passer notre tour. Il a toujours son sort, on est d'accord. Ouais, pendant deux tours. Tac, donc là on passe et normalement là il a son état. Voilà, là il a l'état avec moins 10 PM. Et donc là le Nunu il a son état. Donc état apprivoisement de monture. Donc là on peut le finir. Et normalement on l'a. Ouais, on l'a eu. Donc on a un muldo indigo. Tout simplement avec un petit drop. Un mini drop simplement. Mais je cherchais pas à drop. Alors on va les ramener à la banque de Bonta. Donc ok, ne répond pas parce que le tourbillon me fait bugger. Parce que j'ai trop monté les performances de mon ordinateur. Il nous reste encore le pourpre. Donc on va y aller. On va aller à Bonta. Tac. Donc on va regarder si c'est un mâle ou une femelle quand on sera arrivé au zap. Alors mâle ou femelle, moi je dis une femelle. Et c'est une femelle, ok on a eu raison. Donc ça nous fait une petite muldo indigo, c'est nice. Donc on va la mettre dans l'HDV, pas dans l'HDV. Je vais regarder combien ça coûte. Ouais, je vais regarder si on en a en vente. Ok, donc des potions d'amélioration. C'est Arthur quand il a dû monter l'alchi. Donc alors, ah, ok, c'est vrai, elle est sur moi. Je pense pas qu'il y en a en HDV des muldo, à part des muldo dorés. Un certificat de muldo, il y en a pas. Je faudrait que je demande à Café Olé s'il a vendu le sien, parce qu'il avait mis une dragodin et un muldo doré en vente. Donc au pire je pourrais tester de mettre une muldo à moi en vente. Alors là faudrait la mettre dans l'enclos endurance, et elle a déjà son amour, donc c'est nickel. Donc on va aller la caler. Donc c'est une femelle, donc elle va sûrement se barrer au premier rendez-vous. Je pense que ça va être comme ça dès qu'on aura les petits qui pourront être non sauvages. Alors on va la mettre ici, tac, et on va aller chercher l'autre. Donc on va s'équiper d'un autre filet de capture. Moi je dis que le pourpre ça va être un mâle. Je sais pas, j'ai cette opinion que le pourpre ça sera un mâle, tac. Donc c'est reparti, on y retourne. Comme ça, ça nous fera deux nouvelles muldo. Et ensuite, il nous manquera ébène et orchidée qu'on essaiera de choper dans la prochaine vidéo, car il faut que je crafte des statuettes. Et pour crafter la statuette, il faut tout simplement que j'ai des pattes de lifo, et il m'en faudrait plusieurs. Je vais pas aller seulement à deux comptes, parce que les dragodins d'ébène, les muldo ébène plutôt, il faut les tuer avant le début du tour 4. Pour qu'ils ont toujours l'état apprivoisé, sinon ils n'ont plus l'état apprivoisé. Et les orchidées, il faut qu'ils soient à 5% de leur vitalité, c'est-à-dire faut qu'ils se trouvent à moins de 300 points de vie, tout simplement. Donc là, on y retourne. Juste là, on a équipé le filet, donc là, on va se faire le muldo de pourpre. Est-ce que je peux soigner un petit peu les personnages? On va essayer. On va faire OK, tac, tac.
Tac, tac, c'est bon. Alors le Nunu qui a bien enlevé le Muldo, on sait jamais. Voilà, pour avoir la place, on a bien mis le filet de capture. Ouais. Qui on pourrait soigner? On va essayer de soigner un peu tout le monde comme ça. Full life, full life, full life, ok. Tac. Le Kra, Hadès. Attendez, j'essaye de le choper. Au pire, je vais le bouger. Tac. Hadès, il est où? Il est là. Et ensuite, la Nini. Tac. Pour les soigner un tout petit peu quand même. Donc la Nini. Oh merde, j'ai utilisé un bonbon. Bon, bref, c'est pas très grave. J'ai mis ce clic en fait. Comme il y a des petits bugs avec les pages. Hop. Donc, on nourrit les Caflip. Tac. Et le Kra. Le Kra, tac. Et les Caflip. Il y a bien tout le monde de full life. Non, elle pas la roube. C'est bon, non, 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 c'est toujours pas bon. Et je pense que si je reste comme ça, tous les muldos ils vont repop ici, repop ici, repop ici, parce qu'il n'y a personne dans la zone et c'est obligé qu'il y ait de la place. Ah non, il y a des groupes qui a déjà repop. D'accord, donc c'est que c'est non. Donc je me dis, c'est vrai que c'est un petit peu long, qu'il y a deux groupes qui sont longs à repop, donc c'est parti, on va le lancer. Je sais comment je vais faire. En gros, là, pour le D-Lock, pour qu'il y ait son état apprivoisable, il faut qu'il y ait aucune ligne de vue. Donc pas de ligne droite, c'est tout simplement qu'il doit avoir personne en ligne de vue dès qu'il commence son tour. Alors hop, j'ai bien rentré tout le monde. Là, le placement, je m'en fous un tout petit peu. Directement, je commence par le Nialgue. Le Muldo, je le fais en dernier. Je vais attendre qu'il vienne vers moi. Je vais le caler dans un coin ici. Et je vais essayer de me cacher derrière le mur là. Je vais baisser les interfaces de groupe. Je vais juste le laisser avec un compte pour voir ce qu'il fait comme dégâts. Tac, donc on va le laisser sur le panda. Tac, histoire qu'on voit un tout petit peu. Alors lui, déjà, on va arriver, on va le vulner. Tac, et on va le repousser parce qu'il n'a toujours pas son état invulnérable. Tac, comme ça nous économisera déjà. Ça lui gâchera déjà un petit PM, tout simplement parce que voilà, il met déjà son miasme, mais il nous pète déjà la gueule. C'est vrai qu'il fait extrêmement mal celui-là, le Nialgue. Donc il faut vraiment le caser à distance. Lui, il vous fera rien du tout. Tac, donc là directement, tac, on se prend son piège parce qu'on est des fous. Et on va lâcher un gros coup de marteau. Tac, et là, le Tial, c'est à côté d'un allié. Donc ok, qu'on le fait ou pas, je m'en fous complètement. Tac, donc. Là, le pulsar, en même temps on a utilisé des PM, mais sinon un très joli pulsar. On va booster E, tac, on va bot, on va aimanter, tac, pour réattirer tout le monde. Et ensuite c'est tout, on va passer notre tour, on va donner DPA à la Yop. On va aller le finir, tac, donc on va pas se booster directement, tac. Ernel et je me rappelle plus, mot déroutant, voilà. Tac, on charge une petite coco, il est mort. Ensuite on va essayer de caser tout doucement le Muldo. Alors, faudrait que le Muldo il vienne vers moi, donc je vais le ral PM. Tac, donc on va faire ça, ça, et on va lui mettre une pelle. Tac, et on va essayer de le caser dans le coin. Donc toute la team, j'essaie de la ramener dans le coin. Tac, donc je vais la ramener par là. Hop, et ensuite je vais commencer à le roxer tout doucement, bien sûr. On va pas laisser à 6000 points de vie tout le combat. Donc lui aussi il enlève des PA, et j'aime pas quand on enlève des PA. Donc reste à côté du panda, ce serait nickel de ta part. Ok, donc non, tu te barres, t'as pas envie de rester avec nous. Ok, donc là faudrait vraiment bien se cacher. Donc avec le panda je vais porter. C'est con que j'ai pas la kawotte, je vais essayer de me mettre à une kawotte avec le nunu. Faudrait vraiment que j'aille chercher le sort kawotte. Donc normalement là c'est bon. Ensuite on va essayer de bien les caser. Normalement là c'est bon. Tac, et ensuite on va essayer de se cacher avec le panda. Donc ça a été un peu compliqué. Tac, avec les caflips on va essayer de les rapprocher. On va tuer la pelle qui nous sert un peu à rien. Donc est-ce qu'on peut la frapper? Oui. Parce que je sais qu'il y a des sorts de l'écaflip qui ne s'affectent pas. Tac, donc là normalement c'est bon. Avec la roube, on va lâcher un petit roube la botte histoire de bien placer. Tac, et on va venir se mettre ici. Ouais, ici je pense derrière la ligne ça peut être pas mal. Avec la ligne, la même chose, on va pousser la yop. Non, ah non, ok, là c'était roube la botte. Alors on va prendre ouais, le crâne, normalement il est bon. Je pense pas que le crâne a de ligne de vue, mais par précaution, on va le pousser. Hop, et on va laisser les lieux là. Ensuite, on va attirer le pendant. Non, le pendant, on va... non, le panda, ouais, je vais essayer de l'attirer. Aspirateur ici. Tac, on va passer son tour. Ensuite, avec la nini, on pousse la yop. Tac, on va venir ici aussi. Tac, on va se booster pour le tour d'après pour qu'elle a l'état apprivoisé. Tac, puissance. Normalement c'est bon si je dis pas de bêtises, je vais mettre une kawotte, à part si la kawotte ne compte pas bien sûr. Par contre le Nunu a pris assez cher, mais tu veux faire une petite vitalité. Ouais, le Nunu a pris assez cher. Donc le Nunu, il est où? Je sais pas si la kawotte elle va compter, donc on verra. Au pire ça nous fera des tests pour plus tard. Donc là on va mettre une petite kawotte ici, tac.
Ensuite, c'est tout, on peut lui lâcher un petit RALPM des familles, tac, avec un petit RALPO, avec seulement un moins 1, seulement moins 1, c'est quoi de ce beans? Tac, là, on va venir là, on va lâcher un petit coup de soin pour le nunu, on va venir se remettre, on va rester ici, on n'a pas de ligne de vue tout simplement. Tac, pareil, le cran, on va le laisser là, et on va voir si elle est en état apprivoisé. Entre dans l'état apprivoisable, c'est nickel, on l'a eu. Là, on va le défoncer, sauf s'il se barre, il s'est pas barré, c'est nickel. On va le dépouiller, tac, je vais le porter, je vais bien le placer. Donc l'Acawatt compte, donc faudrait que j'aille chercher l'Acawatt sur tous les personnages, parce que c'est vrai qu'à mon niveau, si j'ai pas l'Acawatt, ça va pas aller. On va essayer de le finir, donc lui, il faut le frapper feu. Voilà, donc le pourpre, c'est feu. Tac, donc on full rocks, on va éviter de faire trop de rocks aussi. J'ai regardé à combien passe le pulsar, à 1500, c'est un petit peu énorme. Voilà, 1300, c'est un petit peu cheaté pour un pulsar, tac. On va faire attention là avec la Nini, parce que la Nini qui rocks très bien. Tac, ça rocks du combien? Du 274. What? Ça rocks rien du tout. Nada. Si je fais ça, ça fait quoi? 258. Ok. Et si je fais une flamiche? 206. D'accord. Donc avec l'Aïop, je peux passer. Elle est bien en état apprivoisable avec le Nunu. Je lance. Il est où le Nunu? Il est ici. Ok, j'ai l'Hélio qui est passé devant. Ok, ah, ok, non, j'ai eu un bug avec le Nunu. L'interface du Nunu qui a été buggée. On fait ça. On a lancé l'état apprivoisé. Et on le finit. Et normalement, on l'a. Ouais, on l'a eu. Ça nous fait un mule de pourpre. Moi, je dis que c'est un mal. Donc, on va voir c'est quoi. Oh, seulement un drop. Le certificat des mules d'eau. Alors, tac. Donc, alors, moi, je dis c'est un mal. On va voir c'est quoi. Tac. Moi, je dis c'est un mal. Et c'est un mal. J'ai eu raison. Nickel. Donc, lui aussi, il a son amour de déjà monter. On va voir s'il y a un groupe qui répop. Sinon, je refais les groupes qui sont ici. J'ai encore deux filets de capture. Ça, c'est nickel. Ça nous avance dans notre élevage. Dites-moi dans les commentaires, franchement, pour cette vidéo aussi, je commencerai pas encore, merde, je commencerai pas encore les couples maintenant, mais à faire des fécondations avec les mules d'eau autres que dorées. Mais dites-moi si j'accouple orchidée avec orchidée et pourpre avec pourpre, etc. Ou si je fais du pourpre avec des orchidées. Moi, franchement, je suis plus apte à faire ça pour avoir d'autres générations. Tac, donc là, on va aller la mettre dans l'enclos qu'il lui faut. Alors, je pense que c'est l'enclos endurance. Voilà, donc on va la mettre dans l'enclos endurance pour monter toute son endurance à 7500 minimum. Mais je préfère mettre tout au max si ça peut nous faire avoir un mule d'eau en plus. Pareil pour l'énergie, si on peut avoir des mules d'eau en plus à la naissance. Tac, on va mettre le mule d'eau pourpre dedans. Tac, élevé, et voilà. Donc, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like si cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne aussi. On a encore 20 abonnés à prendre pour cette semaine-ci, donc pour vendredi, si je dis pas de bêtises, voilà. Non, pour jeudi soir, il faut avoir les 2300 abonnés. C'était mon objectif du mois de juin. Bref, les amis, c'était Tenma. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Allez, ciao tout le monde!